Alors, petite vidéo des bébés chouchous de maman Pouf Souffle. Neuf petits bébés d'amour. Donc, né le 27 février. Donc, ça y est, tout le monde a ses petits yeux ouverts. Donc, forcément, ils vont essayer de téter. Donc, 3 semaines aujourd'hui. Donc, voilà. Coucou, bonjour, bonjour, c'est nous. Coucou les papas, les mamans. C'est nous les bébés. Donc, ça, c'est le mâle collier bleu. Donc, c'est Sirius. Ah, mon chéri. Bonjour, bonjour. Ah, bah, ouais, forcément. Comme on aide maman, étant donné qu'ils sont neufs, on aide maman avec les biberons. Et de ce fait, dès qu'on met la main, après ils cherchent à nous téter et tout ça, c'est des petits monstres. Donc voilà. Donc ça, c'est Sirius collier bleu. Ici, donc, on a la femelle collier rose. Pareil, qui va chercher. Ici, on a la femelle collier turquoise, qui est cinnamon. Oh, gratte, gratte, maman, gratte, gratte. Donc ici, on a le mâle collier gris. Voilà, voilà. Ici, on a la femelle collier orange. Moi, t'abouille, ma chérie. Viens montrer. Donc, 3 semaines déjà, ça y est. Ici, on a la femelle collier blanc. Voilà. Qui j'ai pas montré? Qui c'est qui lève la patte? Collier jaune, peut-être? Collier jaune, la fifi collier jaune. Turquoise, gris, j'ai montré. Bleu, j'ai montré. Orange, j'ai montré. Rouge, j'ai pas montré. La fifi collier rouge. Qui j'ai pas montré? Rose, j'ai montré. Ici, garçon collier noir. Donc voilà, donc on voit les 4 ici cinnamon regroupés. Ici femelle collier orange, ici femelle collier rose qui essaye d'aller choper mes pieds. Ici on a mâle collier bleu, ici on a femelle collier blanc, ici on a femelle collier jaune. Donc aujourd'hui ils vont découvrir la bouillie, hein, donc les petites pâtées. Donc il y a encore biberon, maman, plus les bouillies. Hein. Donc là on s'en met plein le bidon, plein le bidon. Ah oui, Sirius, on s'en met plein le bidon. Donc on va... Ils vont découvrir ça aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir en direct. Comme ça, bah, vous pourrez voir la catastrophe que ça donne en fait. Donc il y en a, bah, ils attendent plutôt le... Oh, attendez, là, j'ai un popo. Hop. Ah bah, c'est les popos en direct live, désolé. Il faut que ça se fasse. Attendez les bébés. Ça met à ramasser des popos. Donc je disais, oui, on va voir ça en direct live. Hein, comme ça, j'ai préparé la bouillie pour vous montrer. J'ai éteint la lampe chauffante, tout ça. Tout. Voilà. On fait mal au collier turquoise. On fait des câlins, il y a moitié chérie. Donc ça y est, hein, ça marche, ça va drouille. C'est déjà un petit peu plus intéressant à filmer et à regarder aussi. Collier noir, cherche à téter, oh chérie. Moi je les porte pas parce qu'en fait quand je les porte comme ça, bah après déjà ils sont gros et oh là. Donc ça c'est le mâle collier noir. Essayez de les porter s'ils bougent pas trop. Donc mâle collier noir, mâle cinnamon. Hop. Parce que généralement, quand je les porte, ils ouvrent leur bouche et tout ça, ils ont une drôle de tête. Donc ici, on a la femelle collier rose. Voilà. Qui c'est qui vient? Toi? Allez, viens, ma chérie. Ici, on a la femelle collier blanc. Elle nous fatigue, la vieille, elle nous fatigue. Ici, on a la femelle... Hop, viens montrer ta bouille, ma chérie. Collier orange. Attendez, je vais bien la prendre parce que sinon on va avoir peur de tomber. Hop, voilà, femelle collier orange. Ici, on a le mâle collier gris argent. Oh là là, là là là, c'est dur à prendre. Donc le mâle collier gris argent. Hop.
Qui c'est, j'ai pas montré collier noir, je t'ai montré, tu triches. Viens ma chérie. Hop là. Alors attends. Hop. Viens mon cœur. Alors ici on a la petite femelle collier jaune. Mon chérie, coucou. Femelle collier jaune. Oui maman. Alors ici on a la femelle turquoise, collier turquoise, donc femelle cinnamon. Attendez, hein. Faut que je les attrape bien, je suis désolée, mais je veux pas leur faire mal ni les faire tomber. Non, la femelle collier turquoise. Coucou, c'est où, coucou. Mouyoui. T'attends désespérément la bouffe. Ah, tiki. Non, non, non. On se réveille, hein. On se réveille. Allez, viens. Viens montrer. Viens montrer ta gueulette. Alors. Alors là, c'est le mâle collier bleu. Mâle collier bleu, donc Sirius. Mâle fauve. Qui c'est, j'ai pas montré. Rouge, je crois, j'ai pas montré. Peut-être que j'aurais montré. Je crois que c'est la dernière, j'ai pas montré. Attendez. Viens montrer ta bouille, ma chérie. Femelle collier rouge, cinnamon. Voilà, voilà les bébés. Et voilà, voilà les bébés. C'est nous, coucou. Vous avez vu, on vous voit maintenant. Allez, on voit les papas, les mamans aussi. On voit la caméra, nous. Ouais, ouais. Voilà, allez, c'est parti. Là, j'ai le doigt tuté, là. Le doigt aspiré. Voilà les petits monstres. Donc, je vais essayer de mettre, avec la vidéo, je vais mettre la table. On va mettre la table. Allez, on va mettre la table. Hop, mettre une petite à l'aise. Sinon forcément les chiots ils en mettent partout parce qu'ils marchent dedans, vous allez voir, c'est assez impressionnant. À moins qu'eux ils vont me faire mentir, ils vont pas le faire. Attention pouce, on met la table, attention des bébés d'amour. Attention, vas-y pouce, tu te pousses. Fais voir ma chérie. Hop, attention. Hop, pousse-toi mon loulou. Hop, attends, maman met la laisse. Hop. Bon, les alèses, c'est bien quand c'est petit, hein, parce qu'après, ils font des confettis avec. Ils font carnaval, ils font tout. Hein. Ils font carnaval et tout ça avec les alèses, ils font des confettis. Ah oui. Alors, hop. Alors, attention, hein. On va mettre la bouillie. La première bouillie en direct live. Alors là, il va falloir qu'ils sentent, qu'ils voient un petit peu ce que c'est. Voilà. Hop, on va leur montrer, on va les aider. Hop, hop. Ah, ça y est, ça y est. Oh, ça sent bon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a souvent, ils regardent en l'air parce qu'ils se disent, bah mince, d'habitude, ça arrive du haut. Hein, les mamelles, les biberons, ça arrive du haut, ça arrive pas du bas. Donc là, c'est la première bouillie. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne. Bon, après, on met des nourrisseurs. Hein. Là, c'est vraiment pour la découverte. Un petit peu de ce qu'ils vont faire. Donc, on met pas des gros rebords. On met vraiment des tout petits plateaux parce que sinon, ils n'arrivent pas à les manger. Ils se demandent quoi. Donc là, c'est vraiment la découverte. Ils se demandent un petit peu. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, comme je vous le disais, il y en a qui vont s'en foutre au départ. Puis après, quand ils vont s'apercevoir que oh, ça sent bon là en bas. Regarde mon loup. Ça sent bon, ça. Ça sent bon. Ah, ça, c'est mes doigts, ça. Regarde ça. Ça sent bon, ça. Faut qu'ils comprennent hein, qu'il faut. C'est en bas que ça se passe, hein, Sirius. Dis, regarde là. Ça sent bon, ça. Après, il va voir les autres qui mettent le nez en bas, vous voyez, et hop. C'est parti, il a compris que c'était en bas que ça se passait. Mais alors après, ils sont dans un état... Maman, elle a du taf après. La vraie maman, la maman... la maman chien a du taf. Et la maman humaine, après, a du taf aussi. Parce que, bah, après, les cocos sont plus pareils. Ils sont cracra, hein, donc il faut toujours tout nettoyer. On en a partout. Tiens, ma gueulette. T'es bon, ça. Tiens, mon chéri. C'est bon. Collier noir, elle a pas compris que c'était en bas que ça se passait. Donc, avec la main, je vais lui montrer tout doucement que c'est par là que ça se passe. Ah, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Hein.
C'est pas évident de filmer en même temps, je suis désolée. Vous voyez, on va lui faire comprendre tout doucement. Et après, ben, il va voir les autres et il va s'apercevoir. Ah, c'est en bas que ça se passe. C'est normal, hein, c'est le début. Vous allez voir, je vous ferai une vidéo d'ici la semaine prochaine. Vous verrez, ça aura déjà pu. Ils vont vraiment savoir où ça se passe. Vous voyez, il y en a, ils attendent en haut parce que généralement les mamelles c'est en haut, c'est pas en bas. On baisse pas la tête généralement pour manger. Tout au début, hein. Hop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est beau, tiens. C'est beau. C'est bon, collier jaune. Ah, ça y est, ça y est. Il y a des tout petites dents qui arrivent. Tout doucement, on voit. Viens là, ma chérie. Regarde. Regarde là. Hop, il y a encore une petite place là. Elle n'a pas encore compris. Vous voyez, elle lève la tête. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On marche une dent. Bon, c'est la première, hein. C'est normal que c'est... Ils vont tout doucement. C'est la découverte. Et... Il y en a, ils se mettent en plein milieu. T'as bien mangé toi, dis donc à moi sur le bidon. C'était bon, ma chérie. Généralement, après, quand ils ont mangé une pâtée comme ça, une bouillie, c'est, ils ont un petit peu froid. Donc on rallume la lampe chauffante. Après, il y a le rinçage de gosier avec maman. Et maman va revenir. Un petit rinçage de gosier. Ils vont tous jeter sur maman. Malgré qu'ils viennent de la voir, hein, mais non. On va refaire, refaire. Donc, vous voyez, les quatre pattes. Hop, tiens, mets-toi là, sinon on ne te voit pas. Hop. Oh, dis donc, t'as bien mangé aussi, toi. Dis, Sirius. Je suis écrasée, qu'à te dire rouge. Qui c'est qui m'écrase? Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc tout le monde va bien, la pesée a eu lieu ce matin, tout le monde grossit bien. C'est vraiment... ça reste... bon, il y a un petit peu des plus gros, oui, mais ça reste assez homogène malgré tout. Il n'y a plus des goinfres, hein, donc là le sevrage va faire que justement ça va... Ça va se... Comment ? Le poids va vraiment... les plus gros, ben, ils vont plus souvent à la mamelle que les plus petits. Forcément, ils poussent les plus petits. Mais là, avec le sevrage, ben, tout va revenir dans l'ordre. J'ai publié une photo de maman et ses bébés sur notre page Facebook. C'est rigolo quand elle est assise, puis elle a tous ses bébés en train de téter. C'est... J'ai bien aimé l'image et du coup, je vous l'ai partagée. Donc voilà tout le petit monde. Moi je dors, là, dit. Fais mon collier jaune, elle dort, dit. Tu veux, toi? Tu veux sortir? T'es bloqué, ça glisse? Voilà. Ça va mieux, monsieur Gris? Dis, ça va mieux? Bon, oui, mes bébés. Fais mon collier orange, super joli. Bon, là, elle est un peu croquante, du coup. Mais super joli. T'as le hockey? Alors généralement, un chiot, quand il a le hoquet, on dit qu'il grandit. John, moi je dors. Vas-y, toi tu manges et moi je dors sur toi. Oh, chérie. Moi j'attends la mamelle, qu'a dit. Je préfère encore la mamelle. Il y a des chiots, ils sont plus précoces que d'autres. Hein. C'est comme les enfants. Collier rose. Oh, j'ai bien voyé. J'ai bien voyé. J'ai bien voyé. Noir qui mange encore. Il est bien appris, il met pas les pattes dans la gamelle déjà.
gueulard. Qu'est-ce que tu veux, mon loup? Viens montrer ta bouille. Regarde-moi ça. Vas-y tout sale. Vas-y tout crapillou. Regarde-moi ça. Oh, regarde, mes doigts sont pleins de dégueulasses. C'est dégueulasse. C'est des gros des bavouillous. Donc, vous voyez, maintenant, ils vont se blottir parce que ils ont froid. Donc, je vais rallumer la lampe chauffante. Je vais envoyer un moment pour le rinçage de gosier. Je vais d'abord finir que ceux qui mangent encore finissent. Mais je vais allumer la lampe chauffante tout de suite parce que je veux pas qu'ils aient froid. Alors, désolé si ça bouge. Hop. On va aller voir un petit peu moins, mais on va remettre un peu de chaleur. Je vais devoir couper cette vidéo parce que je suis à 16 minutes. Après, c'est très très long à publier. Donc voilà pour la vidéo des 3 semaines. Les petits yeux sont ouverts. Les petites canailles, ça y est, ça commence à vadrouiller. Après, ils vont commencer à nous faire des grosses bêtises. Tout ça, je partagerai avec vous en vidéo. Voilà, voilou. À la semaine prochaine.